Asimingar, Medicine Z, Medicine No. Majumongye. Call me the very humble senator. Yeah. Je vous avais dit ici, je répète encore, que Zelensky va continuer à demander. It's like Oliver Twist. He keeps asking for more. It's but normal. Because he's in a difficult situation, so he should ask. And those who are helping him to continue the war should give him the necessary arms to protect himself. So it's right. I cannot condemn him, it's right. Ceux qui ont conseillé Zelensky de continuer que l'Ukraine peut battre la Russie et tout, doivent donner les armes à Zelensky, dont les systèmes anti-aériens de protection sont nécessaires. Il faut envoyer les amis, c'est important. Peut-être que dans les 61 milliards que les Américains ont voté au Congrès d'aide pour l'Ukraine, il y aura ces systèmes-là pour envoyer. Les amis, ça coûte tellement cher. Hein? On parle de 61 milliards. Un système patriote, c'est 2 milliards. 2 milliards de dollars. Donc imaginez qu'on envoie 5. Ça fait déjà 10 milliards de dollars. Et l'Ukraine a besoin d'à peu près 25 ou 27 de ces systèmes-là pour se protéger. Et ça ne suffit pas avoir ce système. Il faut aussi avoir des missiles qui vont avec. Ça veut les missiles qu'on détruit des missiles. Donc, il y a tout cela qu'il faut envoyer à Zelensky. Zelensky va continuer à demander jusqu'à ce que ceux-là qui l'ont encouragé à ne pas négocier, il y a de cela 2 ans avec les Russes, vont comprendre que c'était une mauvaise idée de penser que avec leur puissance déclarée, qui n'était pas palpable, ils pouvaient défaire facilement les Russes. Non. Voilà Zelensky aujourd'hui, son chef d'état-major aussi, qui parle. Parce que quoi? Les Russes continuent de taper sur les centrales électriques ukrainiennes. Ils détruisent tous les systèmes. Comment il s'appelle encore? Blinken était en Chine l'autre jour et devant les Chinois, il a demandé qu'on demande aux Russes d'arrêter cela. D'arrêter cela. C'est des bonnes guerres. On est en train de parler de la guerre. Donc, l'Ukrainien essaie de taper sur les Russes. Les Russes tapent aussi là où ça fait très mal. Et il y a une société ukrainienne qui distribue l'électricité aujourd'hui qui a demandé aux Ukrainiens d'utiliser de moins en moins d'électricité. Parce que quand c'est allumé, les Russes frappent nuitamment facilement. Mais bon, je ne sais pas si cette idée va aider. Ou le fait de demander aux gens de s'implanter dans les bunkers et tout à longueur de journée, ça va aider, ça va continuer pour combien de temps, je ne sais pas. Il y a d'autres difficultés que connaissent l'Ukraine aujourd'hui, les amis, le recrutement. L'âge a été abaissé à 25 ans, donc c'est parti de 27 en montant à 25 en montant. Peut-être avant, maintenant, bientôt, ça va se passer comme ça parce qu'il n'y a plus d'hommes, je veux dire, les gars qui veulent combattre. Les gars sont fatigués, découragés. Et avec la corruption qui ronge ce pays, c'est encore un autre problème. Zelensky sur Fox News a dit que l'aide américaine va aller directement sur le champ de bataille. Est-ce qu'il était obligé de dire cela? Il dit cela parce qu'au Congrès, on posait des questions sur la destination finale de cette aide-là. Le ministère de l'Agriculture, l'effet de corruption. L'ancien ministre de la Défense, l'effet de corruption. Les recruteurs, l'effet de corruption. Vous voyez que c'est très compliqué pour Zelensky. Et la façon que la Russie tape aujourd'hui, les Américains et les Européens pensent que c'est parce que les Chinois envoient les composantes aux Russes que les Russes arrivent à fabriquer davantage de missiles pour saturer l'espace aérien ukrainien. Et cette saturation-là marche à merveille parce que si on envoie 20 drones et que vous avez 20 missiles pour détruire ces drones-là, vous allez détruire avec les 20 missiles. Et il y a une autre vague de 40 drones qui arrive, ça va toucher ces cibles facilement et ça va causer des dégâts. Voilà ce qui se passe. Et Zelensky, je répète encore, doit continuer à demander. Oui, qui continue de demander? Donnez. Vous avez dit que vous allez aider l'Ukraine. Donc, continuez à aider, envoyez les armes, c'est des milliards, les amis. Et les armes qu'on envoie, on capture,
où on détruit, comme le cas de ces trains-là, que les Russes ont frappé avec des importantes cargaisons d'armes otaniennes. Et l'Ukraine a reconnu que son système de network, the railway network has been damaged by the Russians. Ils ont reconnu cela. Et les Russes disent, nous, on a frappé les trains qui transportaient les armes envoyées par les Otaniens. Et vous savez que quand les Russes parlent, c'est parce qu'ils ont fait. Quand les autres parlent, c'est parce qu'ils veulent mentir. C'est pas à rire, mais ceux qui veulent que la situation soit ainsi, c'est à eux qu'il faut demander d'aller sur la table de négociation. Thank you, friends. Thank you always for watching videos on this platform. And bye-bye for now.